parler. Vous avez vu que pendant 7 jours quand même, je me suis retenue sous conseil de mes avocats, sous conseil de ma famille, qui m'a demandé de rester en retrait, parce que je suis une femme d'affaires, je suis maman, je suis une femme leader, et que ce n'était pas intéressant pour moi de sombrer dans la bassesse. Donc voilà pourquoi je n'ai pas voulu parler, mais sinon je voyais tout, j'entendais tout, et j'ai juste pas voulu répondre. Voilà. Je vais commencer directement par Monsieur Touré Alpha Yaya, parce que je t'ai entendu donner des dernières nouvelles de moi. Donc, les dernières nouvelles de moi, c'est que je vais bien. Je n'ai jamais été arrêtée et ça n'arrivera pas. Voilà. Donc, ne pense pas qu'on m'a arrêtée et puis on veut cacher. Ce n'est pas possible. Et je te mets au défi de me sortir là où j'étais et puis ça a voulu être caché. Donc, je n'ai jamais été arrêtée, je n'ai jamais été inquiétée même. Voilà. J'étais chez moi dimanche dernier à 22 h quand je vois deux individus, deux messieurs, sales de surcroît, parce que s'ils étaient propres, ça n'allait pas m'interpeller, mais sales, qui s'emmènent devant chez moi et qui me disent, Madame, on est venu vous chercher. Donc je leur dis, Monsieur, est-ce que vous êtes lettré? Vous êtes allé à l'école? Parce que si vous êtes allé à l'école, vous savez très bien qu'il est 22 h. À 22 h, on a interdiction de venir interpeller qui que ce soit. On n'a pas le droit. Est-ce que vous avez un mandat? Ils se regardent. Ils n'ont pas de mandat. J'ai dit, je ne vous suis pas. Et j'ai appelé mon avocat. Vous avez affaire à quelqu'un qui est allé à l'école. Vous avez affaire à quelqu'un qui a les meilleurs avocats. Vous avez affaire à quelqu'un qui est lettré. Et vous avez affaire à quelqu'un qui a les moyens. Je ne suis pas dans le fin fond d'Abidjan où on essaie de t'intimider. Je les ai envoyés paître. Vous avez vu l'heure? Vous n'avez aucun document et vous venez dans une voiture banalisée. C'est à cause de vous que le pays va mal. Pourquoi je dois vous suivre? Est-ce que je sais si c'est pour aller me tuer? Donc je ne bouge pas. Je suis rentrée chez moi et j'ai fermé mon portail. Je n'ai rien à vous dire. Avant que je ne rentre chez moi, j'ai d'abord devant ces deux messieurs appelé mon avocat, qui leur a demandé s'ils avaient un mandat. Ils ont dit non. Il a dit donc elle ne bouge pas. Et je suis rentrée chez moi, j'ai fermé mon portail. Le lendemain, j'ai eu pour instruction de la part de ma famille, d'abord, de ne plus parler sur les réseaux et de rester dans mon coin. De la part de mon époux et de mes enfants. Donc, par respect pour eux, et il y a beaucoup de personnes parmi peut-être mes abonnés, ou même pas, ou peut-être pas, qui m'ont écrit sur Messenger pour me dire que je devais prendre de la hauteur, je ne devais plus répondre, et que j'étais une grande dame, ça servait à rien de me justifier, ça servait à rien de tout le temps sortir et parler. Ce que j'ai fait, j'ai préféré rester dans mon coin et me consacrer à ce que je sais faire, qui est mon travail. Je ne suis pas dans les clashs. Vous me connaissez. Je ne suis jamais rentrée dans les clashs. Ça ne me grandit pas. Donc, je suis restée dans mon coin jusqu'à ce qu'un énergumène sorte le samedi pour donner des nouvelles de moi. Monsieur Toura Alpha Yaya, je vais te dire ton vrai nom. Comment est-ce que je t'ai connu? Je t'ai connu par le bien d'un grand frère qui est dans l'immobilier. On s'est rencontrés chez lui autour d'un dîner et tu as pris mon numéro de téléphone. Tu m'as appelé, tu m'as dit que tu avais des terrains à vendre.
Je t'ai dit que je n'étais pas intéressée parce que nous, on ne fait pas de terrain. Nous, nous sommes dans les logements. Tu m'as demandé de te rejoindre dans le trafic d'or parce que tu es un grand trafiquant d'or. Je t'ai dit que ça ne m'intéressait pas. Ton bureau est situé à l'immeuble du Mali, au plateau. La porte 314, il me semble, parce que j'ai déjà été là-bas quand tu m'as expliqué dans quoi tu voulais que je trempe. Monsieur le trafiquant d'or, toi qui fais travailler les jeunes enfants de moins de 15 ans pour te sortir l'or que tu vas vendre. Monsieur Toura Alfayaya, c'est bien toi qui m'a vendu cette voiture, cette Nissan Patrol, sans document. Quand je t'ai dit que je ne voulais plus de la voiture, qu'il fallait que tu me restitues mon argent, tu as même eu du mal à me rembourser. Pourtant, tu te fais passer pour un milliardaire. Ce fameux milliard que tu as snappé, le fameux milliard de ce grand frère qui est dans l'immobilier, qui t'a envoyé retirer à la banque, et que tu as profité pour te snapper, pour flasher la jeunesse. Quel exemple. Quel exemple. C'est toi qui vas te permettre de venir parler de moi. Je pense que tu es la personne qui n'est pas la mieux placée. Monsieur Toura Alfayaya, je vais même laisser monsieur, parce que monsieur, ça veut dire qu'on ne se connaît pas. Alpha, parce que c'est comme ça que je t'appelle. N'est-ce pas toi qui enlève les gens, qui envoie tes gros bras enlever les gens, les fait tabasser et pisser sur eux, et tu m'appelles pour me parler de ça? Tu veux que je continue de te donner ton vrai nom? Un élu qui fait ça? C'est pitoyable. Pourtant, c'est ton travail. C'est encore toi, Toura Alfayaya, qui baigne dans le trafic de vente de terrain. Le nombre de personnes que tu as arnaquées en vendant des faux terrains. Tu as toujours besoin d'argent. Toujours besoin de 30 millions. Je vais investir, je vais faire quelque chose. Dès que je vends, dès que j'ai un peu d'argent, hop, je te rembourse. C'est encore toi, Alpha Yaya. Et je passe. Le top des tops. Alpha Yaya. Touré Alpha Yaya. Je connais toutes les résidences où dorment tes marabouts. Toutes les résidences. En comptant déjà Carrefour ou Mandela, la résidence où dort ton marabout. À Bobo, où tes deux oncles sont marabouts. Puisque tu m'as approché pour que je puisse te trouver des clients pour ces marabouts-là. Je les connais, je les ai vus. J'ai leur numéro de téléphone. Tu ne peux pas me dire le contraire. C'est toi, Alpha Yaya, le chef des dozos. C'est bien toi encore, Alpha Yaya, qui te lave en longueur de journée. A dit une seule fois. C'est bien toi encore, Alpha Yaya. Ton oncle est à Bobo, à côté du collège d'Abobo, celui qui est décédé là il n'y a pas longtemps. Combien de personnes tu as fait escroquer? Même moi, je suis dedans. Par cet oncle-là, qui est décédé là il n'y a pas longtemps. Des jumeaux, leur fou. C'est encore toi, Alpha Yaya. C'est encore toi, Alpha Yaya. La seule chose qui me désole, c'est que tu es criblé de dettes. Tu habites à un gros château où il n'y a même pas de fauteuil dans ton salon. Vous êtes au moins 12 dans la maison. Toi, tu peux dire quoi? Qui peut changer la vie de qui? Tu peux dire quoi? Qui peut changer la vie de qui? Alpha Yaya. Toutes les voitures dans lesquelles tu roules sont remplies d'armes. Si je te prends, je te donne ton CV, je te jure, demain, tu n'auras même pas envie. Tes voitures sont parées d'armes, des armes à feu, des kalachnikovs dans tes voitures. Des kalachnikovs. Je ne sais même pas si c'est comme ça que vous appelez votre truc là. Dans ton bureau. Touré Alpha Yaya. Tu m'as reçu chez toi à Bon. Tu m'as reçu chez toi à Bon.
Je connais chez toi, bon, ta maison inachevée que tu n'as même pas encore fini. Tu m'as demandé 30 millions pour pouvoir la finir. Tu m'as demandé 30 millions pour pouvoir finir cette maison parce que c'est ton travail. Tu veux que je te cite le nom de tous ceux chez lesquels tu passes? Quand tu appelles telle personne, j'ai besoin de 30 millions pour faire telle affaire. Demain, tu appelles telle, je vais te rembourser. Dès que je vais investir dans les terrains, je vends les terrains, hop, je vais venir te donner. C'est toi, Touré Alpha Yaya. Tu es protégé par ton immunité, mais tout le monde sait que tu es sale. Tout le monde sait que tu fais un trafic d'or. Tout le monde sait que tu fais travailler les mineurs pour ton trafic d'or. Tout le monde sait qu'on est des magouilles au niveau financier. Le blanchiment d'argent, c'est toi. C'est toi, Touré Alpha Yaya. De quoi tu veux me parler? J'ai été chez toi à Bon. J'ai vu toutes les armes que tu as dans ta maison. J'ai été chez toi à Bon. J'ai fait 2 jours chez toi avec ma grand-mère. J'étais avec ma grand-mère, on était de passage. J'ai vu toutes les armes qui sont cachées chez toi, dans ta maison de Bon. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu sais. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as trahi déjà. Donc là où même où tu es là, tu es capable de trahir encore. Parce que tu luttes et tu te bats pour qu'on te donne un poste. Et que les choses n'avancent pas. Tu luttes et tu te bats pour que les choses avancent, pour qu'on te donne un poste là où tu es. Mais les choses n'avancent pas. Tu enregistres même les autorités qui sont autour de toi. Tu m'as fait déjà écouter. Où tu parlais à un ministre. Tu lui demandais pourquoi tu te bats. Tu as tout donné, tu t'es saigné pour le parti. Tu les enregistres et tu fais écouter à qui veut. Parce que tu es désespéré, on ne te propose rien. Tu es un traître, on ne doit rien te donner. Tu es un trafiquant d'or. On ne doit rien te donner. Tu fais la honte. Tu es dans tout ce qui est sale. Tout ce qui est problème, c'est toujours toi. Trafic de voitures, c'est toi. Vente de faux terrains, c'est toi. Arnaquer tes amis, c'est toi. Le nombre de crédits que tu prends et que tu ne peux pas payer, c'est encore toi. Toi, tu vas venir me parler. Tu me parles de l'argent que tu as caché sur un compte fictif. Tu veux qu'on parle de ça? Tu veux qu'on parle de ça? De l'argent que tu as volé et que tu as caché? Tu veux qu'on parle de ça? Ce n'est pas ton argent de député qui te fait vivre. C'est ce que tu voles sur le dos des autres. Mais comme tu es immunisé, on ne peut rien te faire. Le jour où ton immunité va tomber, il y a beaucoup de personnes qui vont venir parler. Ils sont là, ça y est au bord de leur gorge. Mais c'est parce que tu as ton immunité, c'est tout. C'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas parler pour l'instant. Le jour où ça va sauter, ces personnes-là vont venir parler. Je voudrais te dire que je suis chez moi à la maison, que je vais très bien. Et que je t'ai déjà dit, il n'y a rien en face. Il n'y aura rien. Je veux que tu regardes avec tes yeux. Je te mets au défi. Tu es un plaisantin, tu es un comédien. Entre toi et moi, qui est le plus grand voleur? Entre toi et moi. Si on doit appeler quelqu'un voleur, c'est bien toi. C'est parce que je n'ai pas envie de citer des noms. Tu sais toi-même très bien. Les marchés que tu voles et que tu vends. Tu veux qu'on en parle? Les marchés que tu viens me proposer, tu m'as même proposé dans ma société de créer une autre société. Tu allais m'envoyer des marchés. Je t'ai dit que je ne baignais pas dans ça. Moi, ma famille n'est pas pauvre. Je t'ai déjà dit. Nous, dans notre famille, on a fait le parti. Nous, c'est la loyauté chez nous. Je ne voulais pas rentrer dans ça. Je n'ai pas envie de mêler cette personne à ça. Donc, je n'ai pas envie de citer son nom. Parce que si je cite son nom, ce ne serait pas bon pour lui. Les marchés que tu prends et que tu viens vendre. Tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Je te connais comme si c'était moi qui t'avais accouché. Je t'ai déjà dit de ne pas me provoquer. Je connais toutes les résidences où tu caches tes marabouts. Où tu fais payer pour avoir accès à ces marabouts-là.
où tu me demandes de te chercher des clients pour aller donner à ces marabouts-là. Tout est dans l'escroquerie avec toi. Tout est dans le vol avec toi. Aujourd'hui, je parle, mais il y a beaucoup de personnes qui te connaissent. Il n'y a rien qui sort de toi qui est propre. Il n'y a rien. Comment tu es devenu député? Tu veux qu'on en parle? Celui qui t'a donné les 400 millions pour aller battre ta campagne, que tu n'as même pas encore remboursé? Je n'ai pas envie de citer des noms. Mais on t'a donné 400 millions pour aller battre ta campagne parce que tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu peux faire peur à qui? Tu peux effrayer qui? Je passe. Je vais revenir sur certaines personnes. Donc, étant assise ici, même je sens l'odeur de leur bouche. Répéter encore. Dire encore. La voiture, elle est là, elle est garée, elle ne bouge pas. Tant qu'on n'a pas restitué l'argent que moi j'ai donné, la voiture ne bougera pas. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Elle ne bougera pas. Ceux qui sont là savent, mon surnom est l'ami des autorités africaines. Mon surnom, c'est ça. Je voudrais aussi remercier l'émir aussi pour sa rapidité. Remercier l'émir. Remercier mes deux amis ambassadeurs pour leur rapidité et leur efficacité. Depuis votre téléphone, arriver à décanter une situation partout où vous êtes. Parce que les relations, c'est mieux que l'argent. Relations, c'est mieux que diplôme. Quand on me dit quand on a affaire à elle, ça va nulle part parce que je suis dans mes droits. Celui qui dit que je lui dois de l'argent, mais qu'il mette au défi. Le compte sur lequel il a mis cet argent. Tu as mis l'argent sur quel compte? Tu vas venir me dire si tu as mis le compte sur le compte de Sabine Dié. Non, je n'ai pas besoin de ton argent. Là, je ne vais même pas joindre les deux bouts. Qu'est-ce que je vais faire avec ton argent? Tu as mis le compte, l'argent sur le compte de qui? Tu es venu me donner ton argent et puis tu n'as pas été remboursé? Vous confondez tout, vous mélangez tout. Parce que deux personnes sont insatisfaites. Il n'y a pas une agence immobilière qui a me dit qu'à 80%, à 100%, ses clients sont satisfaits. Donc, deux clients qui ne sont pas satisfaits, qui sont dans nos fichiers, vous allez venir tout mélanger. J'ai tout entendu, même une masseuse qui est sortie de je ne sais nulle part, qui a même du mal à manger trois fois par jour. Elle aussi, elle va venir faire une vidéo. Depuis le lundi, je vous écoute. Depuis le lundi, je vous écoute. J'ai tout entendu. J'ai juste pas voulu répondre parce que ce n'était pas nécessaire. Comme je le dis, je ne suis pas là pour vous donner de la médiocrité. Je ne suis pas là pour alimenter les comment vous appelez ça, les bérets. Ça apporte quoi à la jeunesse? C'est l'année de la jeunesse. Qu'est-ce que ça apporte à la jeunesse? Je suis une grande dame, je suis une femme leader. Et c'est moi qui dois baigner dans, parce qu'on a parlé de mes quintos. Aller de je sais pas quoi et puis je dois venir répondre comme une gamine aussi. Oui, ils ont dit ça, ils moquent de moi. Mais non. C'est pas à moi de venir répondre à tout et n'importe quoi. Vous voulez parler, mais parlez. Si ça vous amuse. On essaie de vous conseiller, vous n'écoutez rien. Vous avez vu les enfants de grand type dans les conneries. Ils vont à l'école, ils suivent leurs études. Vous les voyez dans la bassesse. Vous les voyez dans ça? Ils prennent leur vie au sérieux. Vous êtes dans tout ce qui est futilité. Quand on vous parle, non, elle est menteuse. Bon, je suis menteuse à ça. À côté quoi à toi, ta vie? Ça a changé quoi? On essaie de vous conseiller. Vous, tous les jours, il faut que, je ne sais pas, vous parlez de mes quintos. Mes quintos, là, moi, j'ai des quintos, mais je mange 4 fois par jour. Vous n'en avez pas, mais vous avez vu votre vie? Vous ne pouvez pas passer aux choses sérieuses, à investir, à entreprendre. Quand on vous parle de ça, ça, c'est pas important, ça. On vous demande d'entreprendre, on vous demande de travailler. Ça,
Ça, c'est pas important. Ça, vous vous en foutez. Quand c'est ça, là, ça n'intéresse personne. On va publier quelque chose de motivant. Il n'y a même pas 200 likes. Mais on va venir donner des informations. La bouche de temps sang, le corps de temps est comme ça. Mais attendez, ces quintos sont comme ça. Mon thé n'a pas encore pris, mon chat n'a pas encore pris. Là, on a 1000 likes, on a 2000 likes, on a 5000 likes. Et vous pensez que c'est comme ça que vous allez réussir votre vie? Que des futilités, que des bêtises. C'est ça seulement qui vous intéresse. Rien d'autre. Et vous me voyez là-dedans? Je ne parle pas pendant une semaine, Tanti a mis dedans. Tanti est assise chez elle, elle s'occupe de son travail. J'aime mettre dedans par rapport à qui? Il y a qui me fait peur? Il y a qui en face de moi? Il n'y a personne en face de moi. Une personne que ça bouge ça, qui elle-même va jusqu'à empoisonner, à tuer, et c'est quelqu'un comme ça qui va me faire peur? Un député qui est trafiquant d'or, c'est une personne comme ça qui va me faire peur? Vous n'avez pas autre chose à faire? Au lieu de penser à créer vous-même votre propre entreprise, d'être votre propre patron, ça ne vous intéresse pas, ça. Ça ne vous intéresse pas. Tanti est assise chez elle. Je suis chez moi. Mon nom est Sabine Dié. Écoutez très bien. Je suis l'ami. Je n'ai même pas d'autorité nationale. Hein. L'ami des autorités africaines, c'est mon surnom, qui est l'ami des autorités africaines. Regardez avec vos yeux, il n'y aura rien. Prenez photo de mes quintos si ça peut arranger votre vie, puisqu'on ne peut pas vous parler. Les quintos là sont là, ça ne bouge pas. Et puis il y a quoi d'autre? Milliardaire, son teint, oui. Et je suis fière de mon teint. Je remercie au passage une sœur là qui m'a conseillé un très bon produit, voilà, pour reprendre mon teint marron placard, celui que j'avais avant. Merci beaucoup, une gamme un peu chère. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Pour revenir comme j'étais avant. Quand je fais ce direct, là, je ne ferai plus de direct. Allez commenter ce que vous voulez. Remplissez vos TikTok. Remplissez Facebook. Prenez-moi des photos. Faites ce que vous voulez. Si ça vous plaît. Si c'est ce qui vous plaît. Si c'est ce qui vous amuse, si c'est ce qui arrange votre vie, tant mieux pour vous. Mais moi, ne m'encouragez pas là-dedans. Voilà Bob Lee qui est mort. Il est mort avec ses abonnés. Il est parti avec ses abonnés. Vous pensez que c'est moi que vous allez inciter à venir faire des conneries? Et puis demain, il n'y aura plus personne. Pendant que j'ai un boulot, pendant que j'ai des personnes que je peux motiver, pendant que j'ai envie de marquer ma génération, pendant que j'ai envie de faire avancer mon pays. Il y a 600 000 logements, il y a un déficit de 600 000 logements. 600 000. Ça, c'est même pas encore résolu. On a plein de logements en ce moment. Vous pensez que je vais m'amuser à venir vous servir du béret, comme vous appelez là? Ou je vais venir m'amuser à vous servir du n'importe quoi, de la bouillabaisse? Si vous ne croyez pas que je suis milliardaire, mais je m'en fous. Ça, c'est votre problème. Vous croyez ce que vous voulez, moi je sais ce que je vaux. Vous pensez que ça m'enlève quoi? Vous êtes toujours là dans la bêtise humaine. Ils sont allés chez elle, et puis elle a couru, et puis elle manchait. Ceux-mêmes qui sont arrivés chez moi à 22h, ils vous ont dit qu'ils avaient un mandat. Et ils s'attendaient à avoir peut-être une jeune fille qui ne connaît pas ses droits. Et qu'elle allait dire, oui, et pour bien j'allais trembler devant eux, oui, il est 22h, oui, il faut qu'on aille où? Dans une voiture banalisée, puis j'allais monter, puis j'allais les suivre. Passer 22h, vous n'avez pas le droit de venir chercher quelqu'un jusqu'à 6h du matin. Si vous n'êtes pas allé à l'école, moi je vais vous apprendre à aller à l'école. Et sans mandat. Et je ne vous suis pas. Vous avez vu que je vous ai suivi? J'ai dit, je ne bouge pas. J'ai fermé mon portail. Si vous étiez garçon, il fallait sauter la clôture. Si vous étiez vraiment inspiré, pourquoi vous n'avez pas sauté la clôture? Des plaisantins. Vous pensez que c'est tout le monde en intimide?
Allez intimider ceux qui sont à Sikoji. Il faut qu'on Sikoji là-bas. C'est eux qu'on peut aller prendre à 22h là-bas. Ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas de droit, ils connaissent rien. Ils n'ont personne. Il y a Bobo derrière Rai là-bas. Ou lui-même, quand il vous voit, peut-être qu'il a peur de vous. Quand moi, on me regardait, j'ai peur de vous. J'ai dit, il n'y a rien en face. Il n'y a rien du tout. Je suis assise. J'ai même grossi. J'ai même grossi. Parce que c'est tout le monde, on arrête. J'ai les meilleurs avocats. Vous confondez toujours tout. Tu m'as donné ton argent, viens chercher ton argent. Parce que ça enlève quoi? Ça diminue même pas un centime dans mes entreprises. Même pas un centime, ça ne change rien. Donc je préfère dire en même temps à mes ennemis, si vous pensez pouvoir, vouloir même me faire tomber, je vous dis en même temps que vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas prêt. Vous êtes trop petit. Vous n'êtes même pas encore né pour ça. Vous n'êtes même pas encore né pour ça. Dans le monde des affaires, le monde des business, il faut avoir le mental. Si tu n'as pas le mental, va pas entreprendre. Tu n'as pas le mental, rentre pas dans les affaires. Vous êtes des bébés. Comme je vous dis. Donc, monsieur Tour Alpha Yaya, qui pense venir donner des dernières nouvelles, je pense qu'elle a arrêté, mais on ne veut pas ébrouter. Je suis assise chez moi à la maison. On n'ébroute rien du tout. Moi, je t'informe que je suis chez moi. Tu n'as pas du tout la bonne version. Elle est en fuite. J'ai la tête de quelqu'un qui est en fuite. Moi, j'ai la tête de quelqu'un qui est en fuite. C'est toi qui as trahi qui tu sais. C'est toi le traître. Quelqu'un qui a trahi une fois va toujours trahir. Quelqu'un qui a trahi une fois va toujours trahir. Donc là où tu es là, faut jamais ils vont te donner un bon poste. Mais au grand jamais. Avec toutes les âmes que tu as chez toi, bon, tu es prêt à trahir. Les âmes que tu as dans ta voiture, tu es prêt à trahir. Le trafic d'or que tu fais, tu es prêt à trahir. Tu n'es pas digne de confiance. Tu enregistres tous les gens qui sont autour de toi. Eux tous, tu les enregistres. Et tu dis, si tu n'enregistres pas, c'est que tu n'es pas dans la politique. Dans la politique, il faut enregistrer. Tu n'as pas honte d'être avec des gens, de manger avec eux, de les enregistrer. Faites attention quand vous lui parlez au téléphone. Il vous enregistre pour pouvoir vous attaquer demain. Il vous enregistre. Tu veux qu'on parle du marabout? Tu veux qu'on parle du marabout qui est proche de, je dirais pas son nom, mais tu sais, à qui tu as donné de l'argent pour aller soutirer des informations. Voilà encore ton travail. Tu soutires des informations sur tes collègues et puis tu vas leur dire, j'ai entendu telle chose sur toi, on va te virer demain. Toi, on a pris telle décision sur toi et puis ils te donnent de l'argent. Et puis toi et le marabout, vous devez vous partager. Je n'ai pas envie de citer son nom parce qu'il ne m'a rien fait. Je n'ai pas envie de citer son nom parce que lui, il ne m'a rien fait. Les marchés que tu prends et que tu vends, je n'ai pas envie de citer le nom de l'autre parce que lui aussi, il ne m'a rien fait. Mais c'est ça ton travail. Si tu as besoin d'argent pour finir ta maison de bon, je reste ouverte. Je vais te donner cet argent, tu vas aller finir ta maison de bon. Parce qu'elle est inachevée, elle est en train de pourrir. Parce que tu n'as pas d'issue, tu n'as pas d'entrée d'argent. Tu es obligé d'arnaquer les gens sur les faux terrains. Tes terrains à problème là. Le jour où tu n'auras plus ton immunité, ça va jaser. Ça va chauffer. Je m'arrête là pour l'instant te concernant. Parce que tu sais, je sais. Tu veux qu'on parle. Est-ce que tu es sûr que tu veux qu'on parle? Je vais aller jusqu'à montrer où tu fais ton trafic d'or. Là. Toi-même, tu sais. Tu sais que tu fais trafic d'or. Tu le sais. Que tu fais passer et tu vas vendre. Et on laisse des personnes comme ça faire ça. Et on laisse des personnes comme ça faire ça. Et toi, tu vas venir t'asseoir à la radio pour donner des conseils à qui? Tu vas venir t'asseoir, tu vas donner des conseils à qui? Dis-moi.
Tu es sale. Tu n'es pas un exemple pour la population. Et messieurs, les deux petits qui sont venus en civil, là, la prochaine fois, quand vous venez, là, je vous en supplie, lavez-vous parce que vous étiez sales. Quand vous venez là, prenez la peine de vous brosser au moins. Parce que je ne suis pas n'importe qui à qui on vient parler. Vous vous levez, vous venez me parler. Puis il y a même un là qui voulait me toucher. Je lui ai dit, tu ne me touches pas. Tu as pris le temps de prendre une douche. Parce que je ne dirais pas un bain, tu n'as pas de baignoire. Est-ce que tu as pris le temps de prendre une douche pour pouvoir me toucher? Je te passe mon avocat. Je pense que je suis n'importe qui. Je vais t'emmener. Vous allez vous emmener chez moi à 22h. 22h. Et me demander à moi de vous suivre dans une voiture banalisée. Revoyez-vous. Hein? Revoyez-vous. Revoyez-vous. C'est ce que vous faites. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui se font enlever bêtement, qui ne connaissent pas leurs droits, à qui il arrive beaucoup de choses. Là. Passez 22 heures, vous n'avez pas le droit jusqu'à 6 heures du matin. Et même encore, vous avez un mandat que vous avez présenté, rien du tout. Et vous m'avez prise pour votre camarade, quelqu'un appelle l'ami des autorités africaines. Vous m'avez prise pour qui? C'est à cause de ces individus, le pays va mal. Là. S'il y a un dedans et ses pieds arqués, là. Si tes pieds même ne t'ont pas fait confiance, tu penses que c'est moi qui vais te faire confiance? Triple idiot. Je ne vous ai pas suivi et puis je suis assise chez moi et puis c'est passé quoi? Vous vous êtes présenté, vous donnez votre nom, vous dites qui vous a envoyé, vous dites d'où vous venez, vous montrez un document et vous arrivez à l'heure indiquée, à partir de 18h, pas 22h. Là, vous êtes dans vos droits. Je ne sais même pas d'où vous venez. Vous venez vous présenter devant mon portail. Quand vous avez vu la maison, là, où vous habitez, là, où vous avez dormi dedans. Quand on va parler, vous allez dire que les gens sont arrogants. Donc, je vais très bien. Celui qui dit que j'ai fui, là, dites-lui qu'il ment. Je ne fuis pas. Je suis là. Et puis, il n'y a rien. Je suis en pleine forme. Donc, arrêtez vos commérages. Là. Ça part dans tous les sens. J'ai pris ton argent. Dis-moi sur quel compte. Tu as bien mis sur un compte. Tu m'as donné main à main. Même quand tu m'as donné main à main, je t'ai quand même fait une décharge. Tu n'es pas aussi bête. Tu quatre générations, même si ta famille est bête, peut-être pas toi. Je t'ai fait une décharge. Te dis oui, je reconnais que tu m'as donné tel argent tel jour. Vous ne comprenez rien, il faut toujours tout vous expliquer. Quand deux personnes ou bien se sont levées, venues acheter des maisons. Mais dans toutes les agences, on a des clients insatisfaits. J'en ai entendu une là qui me dit, elle est venue acheter une maison, elle a donné 40 millions et moi j'ai exposé les 40 millions. Mais ma chérie, le fruit de moi-même, mon travail, tu viens, tu me donnes 40 millions. Moi j'expose les 40 millions, j'ai besoin de me justifier pour exposer quelque chose que j'ai travaillé pour avoir. J'ai besoin de me justifier pour ça. Ça c'est que la recette de la matinée, je n'ai même pas mis pour la journée. Que pour la matinée. Mais je n'ai pas le droit de faire ça. Tu es qui? Tu es ma mère? Tu es qui? Je ne sais même plus encore. Je vais essayer de lire vos messages. Je ne sais même pas si ça... Je ne sais même pas qui dit quoi à mon chien. Je n'arrive pas à voir quoi que ce soit. C'est pour qui, mon chien? Je ne sais même pas.
Parce que c'est la peine même de lire vos messages. Même. Ne foutez rien. Vous êtes là. Pas la bande riche. Qui c'est qui fait pas la bande? Moi, je sors pour vous donner. Et je vous préviens en même temps que c'est ma dernière vidéo. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, j'ai des enfants éduqués. J'ai autre chose à faire que de venir là, m'asseoir là, à écouter des balivènes. Voilà un autre encore. Voilà un autre encore, Yves Dembéla. Voilà un idiot encore. Toi, tu es homosexuel, tu le sais très bien. Tous les matins, quand tu te lèves, tu te regardes dans ta glace, tu sais toi-même très bien que tu es homosexuel. Mais tu te voiles la face. Tu te mens à toi-même. Mais assume, et puis on s'en fout. Je vois beaucoup de personnes rigoler. Mais oui, c'est drôle. C'est drôle, c'est des enfantillages, des futilités. Comme si on n'y avait pas mieux à faire que ça. Si c'était des conseils, de la motivation, parler du travail, même pas être 100 personnes. Même pas être sans personne. Et après, que vous ne gagnez pas de bout. Mais si vous faites ça toute une année, vous avez le temps à quel moment de réviser vos études, vos cours. Vous avez le temps à quel moment d'étudier. Vous êtes dans les bérets, dans les conneries. Vous voyez les enfants des boss là dans ça. Ils sont en train d'étudier. Ils sont en train d'aller en vacances. Ils sont en train de découvrir. Mais ça qu'on vous dit là, on est menteuse. Ça qu'on vous dit, on a des quintos. Ça quand on vous dit non, ça ne va pas du tout. Non, ça, ça ne va pas. Ça, vous refusez ça. Je retourne à ma page de conseil. Je retourne à ma page de montrer mon travail. Je retourne à ce boulot-là. C'est ça que je sais faire. Celui qui se lève, qui dit qu'il veut me clasher, c'est son problème. Il ne m'arrive pas à la cheville. Ça, je le dis et je le répète. Il ne m'arrive pas à la cheville. Moi, je ne couche pas pour avoir un simple petit boulot à la télé. Quand je vais parler des enfants, vos enfants de pères qui sont gardiens en France ici, premier enfant la même, là, son père la même, petite fille vilaine en plus, on va dire j'ai insulté enfant des gens. Son père la même est gardien ici, il ne reconnaît même pas la paternité. Deuxième encore, tu allais ramasser là-bas encore. Elle aussi, même le père, même s'est barré même. Tellement ta bouche pue. Tellement tout ce qui sort de toi est que de la mythomanie. Partout où tu dis que tu as des relations, on t'a fermé là-bas. Tellement tu es une personne à problème. Et je vais venir me mettre à ton niveau. Tout est truffé de mensonges. Que des conneries. Un député voleur, député escroc, député mamailleur. Et toi tu es élu, toi tu es élu, toi tu as venu me parler de ramasser des gens, aller porter plainte. Mais si on devait porter plainte, c'est contre toi, toi qui pervertis la jeunesse. Toi tu es un élu, normalement ton nom même doit même pas être cité dans les saletés. Tu es un élu. Tu es un exemple, tu dois donner l'exemple. Tu ne dois même pas être dans tout ce qui est sale. Mais ton nom baigne dans tout. Ce n'est pas ta première fois. Je ne suis pas la première personne. Tes audios sont partout, c'est toujours toi, ton nom qui traîne dans tout. Tu prends des voitures, tu ne peux même pas payer, tu roules là-dedans. Tu prends cette voiture-là, tu soulèves, tu viens me donner. Moi-même, tu me dois de l'argent, même pas payer. Toi aussi, tu as dit que tu es milliardaire. Pourtant, dans ton salon, même en gris, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de fauteuil. Tu prends l'argent ici chez telle personne, tu vas investir dans les terrains, tu vas rembourser la personne en terrain, tu ne rembourses même pas, tu es toujours en quête d'argent, tu as toujours besoin d'argent. Si tu avais l'argent, tu allais ramasser les jeux chez des marabouts. Et puis, cet argent dans ta poche, si toi, tu avais l'argent, tu allais même avoir du mal même
à payer 10 500 000 800, je n'enlève pas mes 300 000 qui sont dessus. Tu as même du mal à payer. Et toi, tu veux venir m'intimider? J'ai l'air de quelqu'un qu'on intimide. Tu sais de quelle femme je viens, moi. J'ai la tête de quelqu'un qu'on intimide. C'est quelqu'un à qui on peut faire peur. Quand on te dit des autorités africaines, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Toi, tu peux prendre ton téléphone et puis décanter une situation en une fraction de seconde. Appeler ambassadeur, appeler président, tu peux le faire, toi. Clochard comme ça. Je suis Abidjan, même si je suis assise à Abidjan, qui peut me faire quoi? Je suis assise à Abidjan, qui va me faire quoi? Vous avez vu l'heure? Ils vont attendre 6 heures du matin. Et avec un mandat, s'il vous plaît, cette fois-ci, n'oubliez pas. Vous êtes quand même allé à l'école. Donc, je dis et je répète, cette partie-là, il faudra bien l'enregistrer. Je ne dois à personne. Il faut bien enregistrer la partie-là. D'accord? Ceux qui parlent de leur million, pas si bien, je ne sais pas si c'est quoi, là. Mon numéro de compte, à mon nom, sur lequel ils ont mis l'argent, ils n'ont qu'à vous confondez tout. Vous confondez tout. Et c'est dommage. Vous confondez tout. Et c'est dommage. Vous ne comprenez jamais rien. Demain matin, c'est lundi. Demain, c'est quand déjà? Oui, demain, c'est lundi. Allez travailler, s'il vous plaît. C'est ce dont le pays a besoin. Hein? Vos parents ne comptent pas sur vous. Ils ne comptent pas sur vous. Quand vous vous asseyez là, vous n'avez pas pitié de vos mamans. Hein? Vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas pitié. Vous êtes que sur le méta. Pour parler de bêtises. Vous n'avez pas pitié de vos parents. Même si vous n'avez pas pitié de quand même regarder le pays, on a ce brave monsieur là qui travaille. Si nous tous on l'aidait un peu comme ça, là. Mais on a, ça allait être une fierté. Quand on sort même, on allait avoir la grande gueule. Moi, quand je sors de la Côte d'Ivoire, là, j'ai la grande gueule ailleurs. C'est ce dont il a besoin. Vous avez quelqu'un qui se bat pour travailler pour vous, mais vous, ça ne vous dit rien. Vous-même, ça ne vous dit rien. Après, vous venez travailler dans nos entreprises avec vos bacs plus 8 et puis vous êtes nul, on vous renvoie à chaque fois. Vous foutez rien, vous êtes tout le temps sur le méta. Vous venez travailler là, ça se voit. Hein? Des grands types là qui mettent leurs enfants dans les bonnes écoles et puis ils suivent bien leurs études. Là. Ils vont revenir vous commander encore. Vous êtes encore là encore. Ça ne vous parle pas. Vous ne voyez pas Ahmed Bakayoko qui est parti de rien du tout, qui est allé jusqu'à premier ministre. Vous pensez qu'il était sur le méta à traîner comme vous? Il savait là où il voulait aller dans la vie. Ne voyez pas ceux qui prennent leur vie au sérieux, qui vont loin. Ceux qui ont démarré de rien du tout, qui sont partis. Même vous prenez Fabrice Saoyan, c'est des gens qui se sont battus. Regardez là où ils sont. Mais vous, vous n'avez aucune vision, vous ne les voyez pas. À vous acharner dans les conneries. Comme si ça allait changer quelque chose dans la vie des Tanti. Tanti va fuir. Tanti à qui en face d'elle, et puis elle va fuir. Tour Alpha Yaya. Tanti à qui en face d'elle. Et puis elle va se lever et puis elle va fuir. Qui?
puisqu'on va parler, vous allez dire, non, il y a quelqu'un qui la soutient, il y a quelqu'un qui est derrière elle, et puis machin, et puis tant. Moi, je connais mes droits. Hein. Puis je n'ai pas peur de quelqu'un, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Je n'ai peur de personne. Je vais vous laisser, parce que je suppose que parmi vous, il y a quand même des personnes sensées, intelligentes, qui ont un boulot, qui vont aller travailler demain. Et puis ceux qui n'ont rien à faire là, ils vont commencer à partager sur leur page, et puis aller sur TikTok, et puis aller débattre, et puis dormir à 1h du matin, 2h, 3h, vu qu'ils n'ont rien à faire, qu'ils dorment dans le salon des gens. Vu qu'ils n'ont rien à faire, qu'ils sont 8, si un lit superposé, il faut bien qu'ils s'occupent dehors. Puisqu'il n'y a même pas assez de place pour dormir dans la maison. Non, ils vont aller dessus, comme ça, des futilités, prendre des photos, tanti comme ça, tanti a fait ça, tanti les quintos, et puis tanti tant. De faire ce direct là, même, vous avez entendu le bruit d'enfant. Vous avez entendu. Ils sont en train de lire un livre. Ils vont prendre le téléphone pour faire quoi? Qu'est-ce que le téléphone leur apprend? Le téléphone là vous apprend quoi? Posez vos téléphones. Et lisez des livres pour être cultivé, pour ne pas vous faire avoir aussi. C'est à vous, on vient soulever à 22h, puis vous suivez les gens bêtement. Comme vous n'avez rien, donc on vous fait ce qu'on veut. On vous prend, on vous jette ici, c'est normal pour vous. Vous ne foutez rien. Ton père même peut-être n'avait rien, mais toi, tu peux être quelqu'un. Tu es ton père, tu es né pauvre. Ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, je vous dis en même temps que c'est de ta faute. Si tu nais pauvre, ce n'est pas de ta faute. Parce que tu ne l'as pas voulu. Mais si tu meurs pauvre, ça tu l'as voulu. Ça c'est de ta faute. Il ne faut pas vous parler. Oui, depuis le temps que je paflote là, et puis ça a changé quoi? Depuis le temps que moi je suis là, et puis je paflote là, ça a changé quoi? Qu'est-ce que ça a changé? Toi, tu as dit ça, et puis moi je sais que je ne suis pas ça. C'est ce qu'on te dit qui est vrai qui te fait mal. Quand on te dit quelque chose et que tu sais que c'est vrai, ça te fait mal. Mais quand on te dit quelque chose que tu sais que ce n'est pas vrai, mais tu t'en fous. Donc quand on vous dit, elle s'en fout, mais c'est parce que je sais que ce que vous pensez, ce n'est pas ce que moi je suis. Donc je m'en fous. Je vais bien, j'ai bien mangé, je suis en pleine forme, et puis voilà. Oui, moi je lis des livres. Moi, j'ai lu des livres. Moi, j'ai lu des livres. Oui. Moi, j'ai lu. Donc, aujourd'hui, là, je peux me permettre de prendre mon téléphone et puis d'être là-dessus jusqu'à 5 heures du matin. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui paye mon loyer. Mais quand tu dors chez quelqu'un, lis des livres. Pour te cultiver, pour avoir un travail. Pour arrêter de gaspiller son courant. Pour aller prendre un chez toi et de pouvoir payer. Et d'arrêter de faire pipi dans son salon. D'accord? Moi, à l'époque, je lisais des livres. Aujourd'hui, je peux ne pas lire des livres. Je suis chez moi. Mais toi qui dors dans le salon de quelqu'un, et puis tu fais pipi dans son lit, et puis c'est parce que lui-même, à cause de la famille, il ne peut pas te chasser. Toi, tu n'as pas le droit d'être sur ton téléphone. Toi, il faut lire des livres. Demain, tu ne liras plus. Tu seras maintenant sur ton téléphone quand tu seras chez toi. Mais pour l'instant, tu es encore sur son lit superposé, tu pisses en haut, et puis ça mouille celui du bas, là. Il faut lire des livres. D'accord? C'est comme ça, vous vous promenez sur le métal et puis après, vous allez enceinter les jeunes filles, là. Et puis, vous fuyez, là. Bande de vagabonds. Quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas. Comme vous foutez rien, là. Et elle aussi, c'est 80% des filles qui vont venir aussi tanti tes quinto. Pour gérer après 8 garçons. Allez prendre les trucs et puis serrer tout en bas de vous, tellement c'est vlogbar. Le VJE, là même de Macori, là peut passer dedans.
que vous aussi, vous allez venir vous asseoir pour m'insulter. Nombre de tapettes. Au lieu de chercher à travailler, vous foutez rien, et puis on vous retrouve pas en zone 4. Celles même qui sont en zone 4 même, c'est parce que c'est leur nom qui est gâté. Hein? Celles qui sont arrêtées en zone 4 là, c'est leur nom qui est gâté. Sinon, toi qui es chez toi, et puis tu as 8. Tu as celui qui paye courant, celui qui paye l'eau, celui qui paye ton loyer, celui qui paye tout. C'est celle de zone 4 là que son nom est gâté. Hein? Sinon, toi-même, tu es sa patronne. D'être sur le méta, fian, tantis, et puis, bien, et puis, puis ce sont elles-mêmes qui maîtrisent même les débats là-même, comme si elles me connaissaient même. Ce sont elles-mêmes qui maîtrisent même le débat là-même, des filles. Nous, à notre temps, là, je ne dis pas que je suis vieille même parce que je peux me considérer comme vieille. Nous, à notre temps, on n'avait pas ce temps-là. Ce sont elles-mêmes qui maîtrisent le méta là-même. Que le lendemain, c'est pour aller demander mèche humaine aux enfants, aux jeunes qui s'est fatigué, peut-être a eu son petit stage, pour lui dire, viens m'acheter mèche humaine. Quand lui, il a payé mèche humaine, l'autre va payer les faux ongles. Et puis l'autre va payer cils, les cils là qui pendent comme ça, qui arrivent jusqu'au Burkina. Quand tu as venu parler de mon chat, le chat là-même est violé, pour moi-même encore, ça va. Moi, pour moi, là, ça ressemble à goudron, j'assume. J'ai déjà dit, j'arrête. Mais pour toi, les violer. On va parler, tu vas parler aussi. Toi aussi, on va parler, tu vas parler. Elles sont nombreuses là comme ça, mais le matin, quand elles vont se lever là, elles vont prendre le téléphone pour appeler un gars pour dire, tu ne peux pas me payer mon gars, ben, même l'argent, même pour aller au marché, on n'a pas. On va vous inciter juste un peu, on va dire, viens prendre 2000 francs. Tu vas marcher, aller chercher les 2000 francs et puis tu vas revenir. Non, rien de ta vie. Et ça, on vous dit, vous n'êtes pas. Laissez. Ne voulez pas avancer dans vos vies, là. C'est votre problème. Je suis votre maman. Moi, c'est moi qui ai fini de conseiller moi, mes enfants qu'ils ont écouté, là. C'est ça le plus important. Si vous ne voulez pas écouter, c'est votre problème. On vous parle, ça rentre ici, ça sort ici. Tu apprécies, tantis a fait ça, tantis a fait ça, tantis a fait ça. Bon, depuis, vous parlez la même, là, mon cher. Ça a changé quoi, la vie des tantis? Je vais vous donner même votre Facebook là, parce que c'est fatigant. C'est fatigant. Vous allez rester dessus et puis vous allez, ça va vous faire du bien. Puis on va aller sur d'autres choses. Tout ce qu'on a envie d'avancer. Membre de pisseux.